Je connais quelqu'un qui a profité des promos du Black Friday. Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, haul, craquage total, notamment chez Anopt. Ce que je ne savais pas quand j'ai filmé cette vidéo, c'est que ce n'était que la première partie du craquage. Là, je vais vraiment vous montrer les pépites que j'ai trouvées pendant le Black Friday et toutes les promos. Je sais notamment que les magasins ont réouvert là en métropole, donc l'idée c'est vraiment de vous donner des idées. Donc il y a de tout, je vais commencer par le make-up, ensuite je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en termes de skincare, et enfin en termes d'accessoires, mode, etc. Je vais faire la vidéo en 3 parties, et vraiment je suis certaine que pour vous ou pour vos proches, ça va vous donner de bonnes idées, il y a des pépites. Si vous aimez la beauté ou que vous connaissez des gens qui adorent la beauté, je crois vraiment que c'est la bonne vidéo avant les fêtes. D'ailleurs, avant que je commence par le make-up, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner. Moi, ça me donne de la force, ça me donne du soutien et ça m'encourage pour vous faire de plus en plus de vidéos et de plus en plus de contenu. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Insta, je vous mets le lien par là-dessous, comme d'hab. Et alors, je vais commencer par le make-up. Et notamment, j'ai fait un petit passage chez Nocibé parce que j'ai vu une petite palette vraiment qui m'a fait de l'œil, que j'ai trouvé trop mignonne. Avec, ils m'ont mis 2 petits échantillons, un échantillon d'un sérum Dior, comme ça, je sais pas si vous connaissez. Et un échantillon, un exfoliant gel purifiant de Clarins, donc ça m'intéresse pas mal. Le Pure Scrub, alors on dirait une sorte de peeling, je sais pas, je vais tester. Mais bon, la palette, elle s'appelle ma palette chérie. Elle était vraiment pas chère, enfin pas chère, 12,95€, donc ça reste quand même très abordable. Puisque Nocibé a sorti, je sais pas si vous avez vu là pour Noël, une très très grande palette qui s'appelle ma sublime palette, je crois. Mais moi je suis pas fan des grandes palettes comme ça, je les utilise pas. Et j'avais pas vu la petite, donc, qui est à 12,95€, donc c'est un peu le même packaging que la grande, la Tour Eiffel, comme ça. Alors c'est cartonné, rose, voilà, c'est assez girly. Mais c'est qualitatif, je trouve, comme packaging. On a un grand miroir, et j'ai trouvé la palette, regardez, vraiment sympa. Je vais la mettre à l'envers pour que vous la voyez mieux. Voilà, en termes de couleurs, donc on est dans des teintes, voilà, assez festives, hein, puisqu'elle a été conçue pour les fêtes de fin d'année, je pense. Mais on a des textures comme celle-ci, par exemple. Celle-ci, ou encore ces deux-là, qui sont des textures assez crémeuses, un petit peu gel. Donc, à appliquer, je pense, au doigt, directement sur la paupière. Et on a aussi des fards mats et des fards irisés. Donc voilà, je l'ai trouvée assez complète. Puisqu'en termes de texture, voilà, on a des satinés, des mats et des pailletés vraiment métalliques. Il manque juste, je dirais, un fard très 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 foncé, par exemple, pour intensifier la ligne de cils ou ce genre de choses. Mais peut-être que celui du milieu, ça va le faire. Ce que je pense faire, de toute façon, c'est tester cette palette en vidéo avec vous, parce que je l'ai postée sur Insta et vous avez été nombreuses à me demander de faire un tuto avec, notamment en DM, donc je vais le faire. C'est pour ça que là, je vous fais pas les swatchs et tout ça. Je vais essayer de faire un make-up un petit peu de fête avec un truc sympa. Mais voilà, pour 12,95€, je l'ai trouvée intéressante en termes de couleur, en termes de texture. J'aime bien les fards Nocibé, je trouve que le rapport qualité-prix est pas mal du tout. Donc voilà, petite palette qui m'a fait craquer. On va continuer dans le make-up. J'ai fait un deuxième passage chez Adopt parce que il y avait tellement de choses qui m'avaient fait de l'œil la première fois, mais j'avais déjà dépensé tellement d'argent que je ne les ai pas prises. Et là, il y avait de nouveau des moins 30, des moins 50%, des produits à 1€, etc. Donc, j'ai pris 3 produits make-up, que 3 en promo. Je vais vous les montrer. Alors, le premier, c'est une palette également. Donc, du coup, ça me fait 2 palettes à tester. Adopt, comme Nocibé a sorti là pour les fêtes, 2 palettes, je crois, 2 ou 3 palettes pour les fêtes de fin d'année. Moi, j'ai pas pris la plus grande, j'ai pris la moyenne, qui s'appelle Magic is in the Air. Donc, palette pour les yeux. Ça, c'est le packaging. Donc, il se présente comme ça. 12,95€. Donc, le même prix que la palette Nocibé. C'est un peu le même genre. Vous hein, voyez, packaging rose, comme ça, cartonné. Et alors, je vais vous dire un truc. J'ai eu quelques déconvenues il y a 2 ans avec les fards à paupières Adopt. Enfin, déconvenues. J'étais pas forcément emballée par la qualité. Comme en 2 ans, je sais qu'ils ont énormément évolué, notamment en termes de maquillage. Voilà, 2 ans après, j'ai eu envie de retenter leurs fards à paupières. Et quand j'ai vu celle-ci, elle m'a vraiment fait penser aux palettes Too Faced notamment. Donc j'ai craqué. Il y a un petit miroir aussi, mais tout petit. Et donc la palette se présente comme ça. Je vais enlever le plastique pour bien vous montrer. Ouais, et elle m'a fait penser vraiment, je vous dis, à Too Faced. Regardez, notamment au niveau des pannes. Le packaging, ça me fait penser aux palettes Peach Perfect ou Chocolate Bar de chez Too Faced. Avec un contour doré comme ça. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et alors on est sur des teintes assez nude. Un petit peu automnal, mais bon, moi, c'est ce que j'adore porter. Cette partie-là, on est vraiment sur du nude clair. Et là, les 6 fards qui sont là, ils sont un peu plus intenses.
un peu plus foncé, donc moi j'aime beaucoup. Alors dans cette palette, on n'a pas de fard un petit peu crémeux, en tout cas il me semble pas. Il me semble qu'il y a que des mats, mais de très 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 beaux mats, hein. Regardez les couleurs rouille par exemple, enfin moi j'adore, et des satinés. Et je vais vous dire un truc, je l'ai trouvé assez complémentaire justement avec la palette Nocibé. Regardez, je vous mets les deux à côté et je pense qu'il y a moyen de faire de très 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 jolis make-up avec les mats de la palette Adopt, les métalliques et pailletés de la palette Nocibé. Enfin voilà, 12,95€ chacune. Déjà, je trouve que c'est de super idées de cadeaux. Et je pense faire un petit crash test d'ailleurs en utilisant les deux palettes. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous tente dans les commentaires. Chez Adopt, j'ai trouvé un petit crayon à lèvres. Ils étaient tous à 1€ en promo, donc j'ai craqué. 1€ le crayon à lèvres, franchement, je prends. Je les connais, leurs crayons à lèvres. Franchement, je les aime bien. Et en plus, ils sont rétractables. Donc, 1€ le crayon à lèvres rétractable. Voilà, moi, j'ai pris. Et j'ai pris la teinte. Donc, c'est la 07. C'est un nude, vous voyez. Bon, c'est pas forcément très utile de vous montrer. C'est cette couleur-là, un nude. Donc, voilà, pour un contour de lèvres, c'est nickel. Ça va avec tout. Ou même en guise de rouge à lèvres, avec un petit gloss par-dessus, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. 1€ le crayon à lèvres rétractable. Enfin, moi, je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Et la dernière chose que j'ai pris chez Adopt en termes de make-up, c'est un rouge à lèvres. J'aime beaucoup leur rouge à lèvres, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Et là, ils étaient à moins 50%, ce qui m'a fait le rouge à lèvres à 4€, un truc comme ça. Alors moi, j'ai pris celui-ci, vous voyez, une teinte un petit peu rouille terracotta. J'adore ce genre de couleur pour les lèvres. Donc c'est ce type de packaging, c'est pas les nouveaux packaging que j'aime beaucoup avec les clips que je vous ai montré la dernière fois. C'est les packaging classiques. Moi, j'adore. Ça, c'est le genre de teinte. Ça me fait penser à mon rouge à lèvres Lancôme, qui est un de mes rouges à lèvres préférés. Vous voyez, ce genre de teinte qui a quelques petits sous-tons rouille orangé. Ça, on reste dans du rose assez clair, assez classique, mais je trouve que c'est vraiment une couleur qui met en valeur la bouche. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Un peu comme celle que j'ai aujourd'hui, là, sur les lèvres. Et donc, ça, c'est la teinte, ben, justement, numéro 15, Terracotta. Donc, voilà, ils sont à 50%, n'hésitez pas à aller faire un tour. La qualité est au rendez-vous. Je les trouve crémeux, hydratants, onctueux. Ils tiennent très, très bien sur les lèvres, je trouve. Enfin, voilà, rapport qualité-prix au top. Ensuite, en grande surface, j'ai pris deux choses. Alors, d'abord, je voulais m'acheter le mascara. Un mascara, vous savez, Twist Up. Alors, il y a plein de marques qui en font maintenant. Je savais pas trop lequel prendre. Donc, du coup, moi, j'ai pris celui de chez Bourjois en grande surface. Donc, il est comme ça. Ça, c'est la classique parce qu'il y a des éditions limitées aussi. Et les mascaras Twist Up, c'est ce genre de mascara, donc... Vous avez une brosse qui est plutôt classique et on doit tourner l'embout pour faire justement tourner la brosse. Donc au début, on apporte normalement du volume et en tournant la brosse, ça étire les cils et c'est censé apporter de la longueur dans un deuxième temps. Et j'avais vraiment envie de tester, de voir si ce genre de mascara Twist Up là, ça fonctionne vraiment, si ça démultiplie les cils et tout. Donc je ferai un petit crash test avec vous, je vous mettrai les prix en barre d'infos. Toujours en grande surface, je me suis pris un produit à sourcils de chez Maybelline, donc c'est le Tattoo Bro. C'est ce produit-là, donc c'est un mascara à sourcils, puisque j'en avais plus. J'ai pris la teinte numéro 7, brun foncé. J'ai pas encore testé, je testerai aussi avec vous, je vous dirai ce que ça donne. Bon, je suis pas très emballée à voir le truc, ça se présente comme ça. Attendez, je vais regarder comment ça se... Ouais, je suis pas très très emballée, je pensais pas que c'était une brosse comme ça, c'est une brosse un peu poilue, c'est un peu étrange, j'espère que ça va pas faire des paquets. Bon, je testerai, on verra bien. Je suis passée aussi chez Yves Rocher pour prendre trois produits. Alors, d'abord, j'ai profité des offres, il y avait quelques fards à joues, quelques blushs en promo à moins 50%. Donc j'en ai pris un parce que j'étais vraiment tombée amoureuse, vous savez, du bois de rose. Vraiment ce blush hyper nude, presque imperceptible, j'en avais parlé, gros coup de cœur. Donc je voulais m'en prendre un autre. Cette fois-ci, j'ai pris la teinte numéro 10 qui est le rose acajou comme ça. Mais comme vous voyez, c'est pas du tout un rose, hein. En fait, on est plutôt sur un nude un peu rouille, pareil, couleur terracotta. Et alors ça, pour moi, c'est le genre de produit qui peut s'utiliser aussi bien sur le teint que sur les yeux. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce type de produit 2 en 1. Regardez cette teinte numéro 10. Franchement, je la trouve magnifique. J'ai trop hâte d'essayer. Je pense que ça peut faire un effet ultra naturel sur les joues. Donc, j'ai trop hâte. Je vais l'essayer avec vous. Et moins 50%, j'étais quand même assez contente. Je me suis pris un crayon à sourcils. Un crayon à sourcils, j'ai jamais essayé encore ceux de Yves Rocher. Donc, j'ai pris la teinte 03 brun. Donc, ils sont comme ça. En fait, ils me font vraiment penser aux crayons à sourcils, les Browies d'Anastasia Beverly Hills. D'un côté, on a le goupillon et de l'autre, on a le crayon à sourcils rétractable. Parce que moi, ça y est, je suis arrivée à la fin quasiment de tous mes crayons à sourcils
que ce soit justement les ABH ou les bénéfiques, donc il m'en fallait un autre. J'avais pas trop quoi prendre et tout, et vous avez été nombreuses à me conseiller les Yves Rocher dans les commentaires, à me dire justement que c'était des dupes, quoi, des ABH, en moins cher. Donc, bah écoutez, en tout cas, au niveau du packaging, on est vraiment sur un dupe, hein, donc je vais tester. J'y suis allée aussi pour me reprendre l'huile démaquillante à la Pure Calmille, enfin qui s'appelle Pure Calmille, de chez Yves Rocher, celle-ci. Je l'ai achetée une première fois sur vos conseils, j'en suis tombée amoureuse de cette huile démaquillante, franchement, au niveau de la texture, de l'efficacité et surtout de l'odeur, j'adore. Donc il fallait que je me la rachète là, c'était l'occasion, le Black Friday, d'avoir quelques promos. Si vous cherchez une bonne huile démaquillante, essayez celle-ci, foncez, elle est extraordinaire. Ok, entre le make-up et le skincare, j'ai un produit à vous montrer que j'ai racheté en deux fois même, tellement je l'aime. C'est un produit de la marque SVR, c'est le Sun Secure, donc qui s'appelle Blur. En fait, il vient vraiment blurrer la peau, camoufler les pores, il lisse la peau, c'est un truc de fou, avec un indice 50. J'avais acheté ce produit, je vous l'avais dit dans une vidéo sur les conseils de Sananas, et franchement, je suis tombée complètement dingue de ce produit, à tel point que je l'utilise tout seul. Parce qu'il peut soit s'utiliser comme une base et ensuite vous appliquer un produit teint par-dessus, soit comme un produit solaire puisqu'il y a une protection 50, comme vous voulez. Et moi, je le trouve tellement beau que maintenant, je l'utilise seul, surtout qu'il fait tellement chaud ici que je mets ce produit. Il me fait une peau de pêche, mais je vous jure, j'ai jamais vu un produit qui rend la peau si douce. Vraiment, vous touchez votre peau, c'est vraiment une peau de pêche. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Il vient lisser les pores. Lisser la peau, affiner le grain de peau, tout ça, enfin, je le trouve assez incroyable ce produit, et en plus il a cette protection solaire 50, il faut que je vous le remontre en action de toute façon, il faut que je vous montre comment je l'utilise seul, sans mettre de fond de teint ou de fluide de teint par-dessus, donc voilà, j'en ai pris deux, parce que je le descends à une vitesse incroyable, on en reparlera, c'est un véritable coup de cœur pour moi ce produit, et du coup skincare, j'ai fait pas mal d'achats quand même, enfin pas mal d'achats, vous allez voir j'ai quand même acheté quelques produits là, mais c'est au fur et à mesure de ces dernières semaines. D'abord un produit que je voulais tester depuis très 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 longtemps, c'est un produit de chez Garantia, plus je teste la marque Garantia, plus j'aime vraiment leurs produits, et ce produit là donc qui est le Diabolique Tomate, c'est un produit dont vous me parlez depuis mais... Des mois en me disant « Camille, il faut que tu testes ce produit, il est incroyable pour la peau. » Donc ça y est, je l'ai enfin. Donc c'est une crème d'eau, soin aux actifs hydratants 24 heures, repulpant, bonne mine. Résultat dès la première application, bon ils mettent souvent ça, hein, Garantia de toute façon sur leur packaging. Et la plupart du temps c'est vrai. J'ai mis du temps à l'acheter parce que c'est un produit qui est cher. Voilà, il se présente comme ceci. J'ai tellement hâte d'essayer ce truc-là sur ma peau, je vous assure. J'ai des petits problèmes de lumière aujourd'hui, hein. Le soleil va et vient. Et donc à l'intérieur on a de la pulpe de tomate ultra concentrée en lycopène aux vertus bonne mine et antioxydante, du riz donc hydratant, de la poudre de riz, de la résine recueillie sur un arbre de la forêt amazonienne appelé sandragon, du beurre de karité bio, du jus de citron frais bio, de l'algue ulva lacuca, etc., de l'argile, enfin il y a énormément de pépites skincare dedans quoi, donc je vais tester. Ensuite je me suis acheté trois petits produits de la marque Soivre, les trois ce sont des acides, donc on a acide hyaluronique, acide glycolique et collagène. Donc ce sont trois petits formats comme ça, trois petits flacons avec des petites pipettes. Donc chacun extrêmement concentré en acide dont je viens de vous parler. C'est des actifs que j'intègre de plus en plus dans ma routine parce que j'en vois vraiment les bienfaits sur ma peau, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, je me suis pris les trois. Ils font tous 15 ml, donc l'acide hyaluronique c'est matin et soir, enfin c'est marqué sur le packaging. Le collagène, idem, et par contre l'acide glycolique, c'est préconisé de l'appliquer que le soir. Comme c'est très 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 photosensible, il vaut mieux pas trop l'appliquer le matin avant de s'exposer au soleil. Mais voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos plus précisément la compo de ces produits, mais ce sont des gouttes en fait ultra concentrées, donc soit en acide hyaluronique, collagène ou acide glycolique, ce qui fait que vous les appliquez avant votre soin. Il suffit d'en mettre quelques-unes, une sur le front, une sur chaque joue, une sur le menton. C'est tellement concentré que ça se suffit vraiment en lui-même. Bon, c'est pas donné, c'est 19 € le produit, mais bon, c'est très très pur. Il n'y a pas d'huile, c'est non comédogène, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de silicone, pas de colorant. On est vraiment sur de la concentration pure de ces acides-là. Et donc celui-ci, notamment l'acide glycolique, c'est préconisé de s'en servir comme peeling. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vous en reparlerai de toute façon dans une de mes vidéos skincare. Je me suis repris également une eau de beauté donc de la marque Aleppo Soap. Je vous en ai parlé parce que j'ai terminé celle qui était au jasmin.
Et je vous avais dit que j'en rachèterais une autre. Donc cette fois-ci, j'ai pris celle qui est à la rose, comme ça. C'est une marque que j'aime énormément et des eaux de beauté que j'aime beaucoup parce que je les trouve fraîches. Elles sont tellement concentrées en fleurs que ça fait du bien à la peau, on le sent. 99% d'ingrédients d'origine naturelle aussi. Donc voilà, ça j'aime beaucoup, ça coûte pas cher, 3 euros et quelques. Je me suis repris aussi une eau florale, donc un hydrolat. Cette fois-ci, j'ai pris la verveine qui est raffermissante parce que moi, je commence à avoir fini la plupart des miens, que ce soit la lavande, la sauge, etc. Ça, j'en ai toujours dans ma skincare routine, au moins 2 ou 3 d'ouvert en même temps. Donc là, j'ai pris celle-ci, verveine. Je me suis pris un produit Tage aussi, parce que la marque Tage est vendue maintenant dans les parapharmacies à La Réunion. Et c'est une marque que je voulais tester depuis un bon moment aussi. J'ai pris le... D'ailleurs, j'ai déjà entamé ce produit. Le regard de reine Maharani, donc de la marque Tage. Ça se présente comme ça. Alors, c'est marqué regard de reine, anti-âge absolu. Mais en fait, c'est pas que pour les yeux, c'est aussi pour les lèvres. Revitalisant, liftant, restructurant, unifiant. Donc c'est composé essentiellement d'acide hyaluronique, de collagène et d'élastine, de ginseng, de bambou, d'awaganda, de puerica, enfin il y a tout un tas d'ingrédients végétaux je veux dire. Donc j'ai commencé à l'entamer, regardez comme il est joli, franchement c'est trop joli ces packaging, le Tage, ils sont vraiment jolis, chic je trouve, c'est agréable d'utiliser un produit comme ça. J'ai commencé à l'utiliser la semaine dernière donc je peux pas encore vraiment vous en parler précisément. En tout cas, j'aime beaucoup la texture, l'odeur, la fluidité. On verra au niveau de l'efficacité ce que ça donne. Je me suis racheté également des petits triangles comme ça. Maintenant, je me sers de ça pour faire mon coin externe de l'œil notamment. C'est hyper pratique, je trouve. Et ça ne laisse pas de traces sur la peau. Je me suis acheté un produit Uriage parce qu'en ce moment... Vous savez, je suis en train de tester beaucoup de fluides, d'aquafluides, de fluides teintés, etc. avec des protections 50 en guise de fond de teint. Moi, j'aime beaucoup ce genre de produit-là et donc je suis toujours à la recherche de nouveaux produits, de meilleurs produits, etc. Je suis tombée sur celui-ci, donc de la marque Uriage, qui est un fluide matifiant à texture légère, effet hydratant et anti-brillance avec un indice 50+. C'est le Barrier Sun. Alors, moi, j'avais testé... Déjà, le Barrier Sun d'Uriage, mais c'était le jaune et orange, qui était avec un packaging un petit peu ovale. Donc là, ce n'est pas le même, c'est un nouveau qui vient de sortir. Et ce nouveau a cette propriété, donc, a priori, d'être matifiant en plus. C'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je le testerai avec vous, je pense, parce que moi, je m'en sers de fond de teint, en fait. Ensuite, je me suis acheté une brume solaire. J'ai déjà celle de la marque SVR, que j'aime beaucoup, qui est dans mon sac à main. Et je cherchais la fameuse brume Vichy, dont Sananas avait parlé dans ses vidéos, justement, en même temps que le blur d'SVR. Et je l'ai trouvée. Donc, c'est une brume solaire avec un indice 50, qui, a priori, vient... fixer le maquillage et en même temps donc protéger des rayons UV. Elle s'appelle la UV Protect. Elle est antioxydante, invisible, etc., etc. Donc voilà, c'est une huile qui est compressée. C'est pour ça que le format est si petit. Je vais voir si elle est aussi efficace que la SVR. A priori, elle est un petit peu moins agressive en termes de spray. Donc je vous dirai aussi ce que ça donne. Comme il fait très chaud ici en ce moment, vous pouvez le voir. Hein, d'ailleurs, je n'ai pas les cheveux mouillés, c'est juste la transpiration qui dégouline sur moi. Je suis aussi à la recherche de déodorants anti-transpirants qui fonctionnent vraiment, vraiment bien. Si vous avez des conseils, franchement, je prends. J'ai acheté ça en parapharmacie d'Aven. C'était en promo, donc j'ai pris celui-là. Justement, il s'appelle Soin Déodorant Régulateur sans alcool, sans sel d'aluminium. C'est un déo bille qui est comme ça. Je viens de l'essayer. Franchement, ça marche pas du tout. Hein. Alors, je sais pas, je vais continuer à l'utiliser. Bon, il fait très chaud en ce moment ici. D'accord. Et en plus, j'ai beaucoup d'angoisse, de stress et tout ça, donc je stresse beaucoup. Et du coup, je transpire. Moi, c'est quand je stresse, je transpire beaucoup. Mais celui-là, pour le moment, ne marche pas du tout. Je vais continuer, je vais le finir de toute façon, mais je sais pas, il a pas l'air dingue. J'ai tellement de trucs sur ma coiffette, je suis complètement perdue. Et puis, comme je filme pas beaucoup de vidéos en ce moment, je suis perdue. Je suis perdue. Non, je crois que j'ai fini pour le skincare. Hein. Il me semble que j'ai terminé. Je regarde mon petit sac. Ah oui, ils m'ont mis une trousse Vichy en cadeau, du coup, en achetant la brume solaire. Une petite trousse comme ça, Vichy, c'est toujours sympa. Je me suis acheté une cure de gelée royale. Très intéressant, hein. Non, mais cela dit, je vous conseille vraiment, surtout en ce moment, Acerola gelée royale pour booster les défenses immunitaires. Moi, celles que j'ai prises là, ce sont des ampoules, donc de gelée royale. Et en plus, à l'intérieur, on a des baies de goji, de la grenade et du baobab. Donc vraiment, j'espère que ça va booster mon état de santé, parce qu'en ce moment, je suis crevée. Et puis, on va passer à la troisième partie de la vidéo, donc ce qui est un peu mode, etc. Je suis repassée chez Adopt. Je vous dis, j'y suis repassée.
J'y suis repassée pour prendre ce que je n'avais pas pris la première fois. Donc, d'abord, j'avais craqué sur ce sac. Et donc, cette fois-ci, je l'ai pris. Regardez, c'est un petit sac comme ça, en moumoute. Trop mignon, avec des dégradés de marron, de nude, etc. On a une petite chaînette ici. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je suspends ce petit sac à mon sac à main. Je trouve ça trop classe. Donc, soit on le suspend à son sac à main avec la petite chaînette qui est là, soit on l'utilise comme pochette à la main, comme ça. Hein. Moi, j'adore, je trouve ça trop beau. Soit en sac à main, puisqu'il y a une petite chaînette à l'intérieur, vous voyez, qui est dorée, comme ça, avec des tout petits maillons. Et on s'en sert comme un sac à main. Voilà, je l'ai trouvé vraiment sympa. 24,95€, mais franchement, je l'ai trouvé trop classe, trop chic. J'adore. Et en fait, ça, c'était pas prévu. Je devais pas acheter cette pochette en moumoute. J'y suis retournée, justement, pour un sac à main que j'avais repéré déjà depuis des semaines, qui me faisait de l'œil. Cette fois-ci, je l'ai pris. Donc, je l'ai eu avec 10%. Il est comme ceci, donc en simili cuir noir. En fait, c'est une pochette. Donc, moi, je la tiens comme ça, à la main. On a des petits maillons ici tout le long. Vous avez aussi la hanse, donc vous pouvez le mettre en sac à main, mais on peut l'enlever. Et en fait, moi, j'ai voulu acheter ça pour mon travail, notamment. J'ai mon sac à main à moi dans lequel je mets toutes mes affaires, mais j'ai toujours à trimballer mon agenda, mes carnets, mes petites trousses, etc. Et donc, je prends celui-ci à côté, un peu comme une petite valisette de travail, vous voyez. Je l'ai trouvé vraiment joli avec cet élément-là ici qui ressemble à une ceinture. Je sais pas, il me faisait de l'œil depuis des semaines ce sac, donc j'ai fini par craquer là avec les promos du Black Friday. Je le trouve vraiment très 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 beau. Ça fait très chic, professionnel, businesswoman, mais en même temps girly et classe quoi. J'ai craqué pour cette petite chaîne de cheville comme ça. La pastille rouge, c'est qu'il y avait moins 50%, donc au lieu de 13€, je l'ai eu à 6,50€. C'est les maillons, vous savez, dont je vous parle beaucoup en ce moment. Les maillons dorés comme ça et allongés. J'ai une passion pour ce type de maillon en ce moment. Avec le petit coquillage et la petite pierre, j'ai trouvé super sympa pour la cheville. C'est pas du tout mon genre, les bracelets de cheville, mais en fait, j'ai vu ça sur une vendeuse il n'y a pas tellement longtemps. Et je me suis dit, mais c'est joli en fait. Donc voilà, j'ai eu envie de tester. J'ai craqué aussi pour ces petites boucles d'oreilles en acier à 9,99€. Avec ben, encore une fois le même type de maillon. Pour le coup, j'avais des colliers comme ça, des bracelets, mais pas de boucles d'oreilles. Donc l'acier chez Adopt, ce qui est bien, c'est que ça ne noircit pas malgré la chaleur, l'humidité, la transpiration, etc. Les bijoux restent intacts. Bon, ça reste du fantasy, je veux dire, mais on les garde longtemps. Donc c'est ça que moi, j'apprécie beaucoup en termes de rapport qualité-prix. Et voilà, je les ai trouvés vraiment sympas avec la petite pierre, la petite étoile dessus et surtout les maillons. Et puis pour finir, quelques petites affaires de coiffure qui étaient aussi en promo à rien du tout. Des petites pinces à cheveux comme ça. Elles étaient à 6,99€, bah du coup je les ai payées 3€. J'adore avec les coquillages, les pierres comme ça, je les trouve vraiment sympas. Dans un tout autre style, j'ai pris celles-ci qui sont plus imposantes en plexi. Mais bon, vous connaissez ma passion aussi pour le plexi. Celles-là, je les ai payées 5,99€, il n'y avait pas de promo par contre. Mais bon, 5€ les 3 pinces, franchement ça vaut le coup quoi. Et puis pour finir, donc là c'est pas chez Adopt, c'est chez Aldo. Par contre, je vous parle souvent d'Aldo aussi. J'ai trouvé pareil les petites pinces à cheveux. Donc elles étaient à 50%, donc je les ai eues à 3€ et quelques. Elles sont comme ça, un peu en mode panthère, vous voyez, tac, comme ça là. Ça va pas du tout de les mettre comme ça, mais parfois j'ai les cheveux détachés, juste deux petites pinces comme ça, avec des cheveux lissés, ça coiffe, c'est joli. Moi je suis à fond dans le panthère en ce moment, mais vous voyez c'est panthère, mais c'est pas non plus too much, c'est plexi. Le motif est pas too much, je trouve, il est vraiment joli. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a tout plein de petits accessoires comme ça chez Aldo, chez Adopt. À 3-4€, c'est des petites choses, mais voilà, je trouve que ça fait son petit effet. Ça accessoirise une tenue ou un look, moi j'aime beaucoup. Bah écoutez, j'espère que je vous aurai donné des petites idées dans cette vidéo. Comme je vous dis, que ce soit pour vous ou pour vos proches, pour les fêtes de fin d'année notamment. J'avais un peu de tout là, make-up, skincare, accessoires à vous partager. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Je testerai le make-up avec vous en vidéo de toute façon en crash test. Le skincare, je vous en reparlerai, soit dans des tops, des flops, des produits terminés, je vous en reparlerai dans tous les cas, c'est promis. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!